aussi beaucoup d'actes racistes ou de mots racistes contre moi, notamment du fait que je suis par deux fois venu du Maghreb. Voilà. Donc je le subis, c'est très désagréable. Bon, maintenant je ne m'arrête pas à ça, mais effectivement je constate qu'il y a un racisme latent dans la société qui touche tout le monde, qui peut toucher les Blancs, les Arabes, les Noirs. Le fait des fois qu'on vous rapporte à votre deuxième prénom, Moussa, comment vous vivez ça, vous? Bah, il y a des gens qui le font. Je sais que par exemple, il y a des gens beaucoup, notamment qui viennent d'Algérie, qui m'appellent Moussa parce qu'ils savent que mon grand-père était algérien. Et c'est positif, c'est sympathique. Et puis il y en a qui le font par racisme. Voilà, par racisme et honte. Moi, j'ai beaucoup de énormément, d'abord de menaces, bien sûr, comme beaucoup d'hommes politiques ou de femmes politiques, mais je